Nous vous invitons à prier. Tobiangibino na losambo. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana, pe molimo santu. Cher Père Céleste, nous sommes venus ensemble pour t'adorer et louer ton Saint-Nom. Tata walikolo toye elongo mpoto kwa koyeba kokubisa yo pe ko sanzola kombo na yo. Et nous t'adorons, nous nous émerveillons combien tu es grand et fort. Tozali ko sanzola yo mpe tozali ko mona bonene na yo. Et combien ton amour est tout puissant et couvre toutes choses. Lolenge nini bulingo na yo ezali makasi mingi pe ezali ko zipa makambo manso. Et que cet amour brûle comme le soleil peut fondre le cœur même le plus endurci. Bulingo oyo ezali ko kota na kati ya motema atako motema ezali makasi ndenge nini yango ezali ko lembisa yango. Ta main paternelle peut changer l'impossible en possible. Loboko na yo ya botata ekoki kobongola likambo oyo ezalaki mpasi pe ekoyeba kokoma pete. Le fait que tu sois présent nous enlève tout sentiment d'isolation. Lolenge na yo ya kozala tango nyonso pembeni na biso ezali kolongola biso pasi ya kozala biso moko. Le fait que tu connais toutes choses nous donne un calme dans notre cœur quand nous ne comprenons rien. Nakoyeba ete yo oyebi makambo nyonso yango ezali kopesa biso kati kimia na kati ya motema na biso. Cher Père Tout-Puissant, combien tu es grand et miséricordieux. Tata wa bokasi yo zali ya mawa mpe ya ngolu. Ensemble dans la grande communauté, nous te disons merci. Elongo na kati ya lisanga mobimba tozali koloba na yo melesi. Pour cet amour qui nous a été démontré de différentes façons dans les différents lieux. Mpona bolingo oyo yo lakisi biso na lolenge na lolenge. Tu as répondu à nos prières, tu es intervenu à tout moment. Oyanoli na losambo na biso mpe oye kosalisa biso na ngonga nyonso. Tu fais de nous tes enfants. Osali biso tozala bana ba yo. Une promesse merveilleuse nous est donnée. Bilaka ya kitoko epesameli biso. Merci pour ce que tu as fait pour l'un et pour l'autre. Merci mpona oyo yo salaki mpona moko pe mosusu. Nous déposons ça sur l'autel ici de ton fils. Tozali ko kitisa yango na mesa ya bonzenga ya mwana na yo. Cher Père Céleste, merci aussi pour cette occasion ensemble en communauté de prier pour l'un et pour l'autre. Tata wa bokasi, tozali ko tonda yo lisusu mpona losambo oyo tozali ko sala mpona moko pe mosusu. Pour ceux qui sont dans la souffrance et malades. Mpona baye bazali na kati ya mikakatano pe kobela. Interviens, réponds, cher Père Céleste, tu vois la souffrance. Pesa biyano nkolo wa bolingo mpe kwa koyeba kosala mpona kokitisa pasi na bango. Ceux qui ont perdu beaucoup de choses et qui n'ont pas le moyen de vivre et de survivre. Ba oyo babungisaki biloko ebele mpe bazana eloko te bango bakoki kozala na yango. Ceux qui ont des souhaits pour la famille, pour un enfant, pour l'aide, pour les parents. Ba oyo bazali na mikakatano mpona oyo etali bana mpo oyo etali baboti. Nous demandons tout cela au nom de ton fils. Nyonso tozali kosenga ngo na nkombo ya mwana na yo. Tout en sachant que ta volonté soit faite. Nakoyeba ete kolinga na yo nde esalema. Et nous avons soif maintenant de ta parole, de ta force, de ta conduite. Tozali na mposa ya liloba na yo mpe bokasi na yo mpo tokoka koyeba kotambola na yango. Que par le canal de ton esprit, ta lumière puisse luire à nouveau sur nous. Onzela ya molimo na yo bongengi na yo ekoka koyeba kozala lisusu kati na biso. Que ce soit toi qui parles, pas une personne. Ezala yo nde ozali koloba kasi moto te. Que nous puissions rester un et unis avec notre apôtre patriarche et l'un avec l'autre. Tokoka koyeba kotikala bomoko na ntoma na biso mokonzi. Même avec nos bien-aimés d'au-delà, qu'ils puissent aussi partager ces moments avec nous. Na bandeko na biso bayebazali na mboka ya ngambo tokoka koyeba kokabola na bango ngonga oyo. Console ceux qui ont perdu un bien-aimé. Zala na ba oyo banso ba oyo babungisaki ba oyo bango. Et à travers ta parole, console ton peuple. Onzela ya liloba na yo. Que ta volonté soit faite et par la nôtre, nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. 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 Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue.
bandeko mibali pe basi na kati ya Kinshasa tozali ko tombela bino boye bolamu. Et nous voulons partager avec vous une parole que notre apôtre patriarche nous a donné en 2 Corinthiens 1er chapitre le verset 24. Tolingi ko kabona na bino liloba oyo ntoma mokonzi apesaki biso na mukanda ya mibale ya ba Corinthiens na chapitre ya yambo pe na verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Nalingaka koyela bino bobele esengo na makambo etali bundimi na bino. Nalingi komitia mokonzi na bino te pamba te bozali na bundimi ya kokoka. Merci, jusqu'à là prenez place. Matondo to fanda. La chorale peut chanter une cantique. Bayembi bapesa biso nzembo. Dire merci aux choristes. Nous allons couper ça, mais laisser Nabayembi. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, chers amis qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois. Balinga mimi bali pe basi pe balinga ba oyo ba yeko sangana na biso tango mosusu mbala ya yambo. Nous sommes heureux de partager ces moments ensemble dans la maison de notre Père Céleste, peu importe là où vous êtes. Tozali na esengo ya kokabola na bino esengo oyo ya maloba ya Tata Nzambe ezala na bisika nyonso oyo bino bozali. Et de ces quelques moments soutirer une force, une puissance, une consolation et un pardon. Na ngonga oyo tokwa koyeba kobenda bokasi, tokwa koyeba kobenda libondi mpe bolimbisi. Dieu pourvoit à tout moment toutes choses pour son peuple. Nzambe apesaka tango nyonso eloko mpona ikolo na ye. Forcément à ses enfants, il ne peut pas les laisser abandonner. Kaka pona bana na yete akoki kotika bango mokote. C'est peut-être toujours pas exactement ce que nous souhaitons. Tango mosusu kaka oyo biso tozali kolinga te. Mais c'est en lui, à travers sa parole, que nous avons cette confiance qui nous donnerait tout juste ce dont nous avons besoin. Onzela na ye mpe na ndenge na ye onzela ya liloba oyo azali kopesa oyo ezali na ntina mpona biso. Nous continuons à enseigner nos enfants. Tozali kokoba na koyekwisa na bana na biso. Et aussi à nous-mêmes en nous efforçant de comprendre et connaître mieux en mieux les articles de profession de notre foi. Na biso mei pe tozali koyekola mpona koyekola oyo etali article ya confession de foi na biso. Nous avons vu la semaine passée, 3e article. Na poso yuti koleka tomonaki article ya misato. Qui parle de notre croyance en, au Saint-Esprit et en l'Église. Ezali kolakisa lolenge ya kozala na molimo mosantu. Et le 4e a trait aussi à l'Église et à l'apostolat. Oyo ya minei nde ekokisami na Ecclesia pe na musala ya bantoma. C'est notre Seigneur Jésus qui a tout mis en œuvre. Pendant sa vie, il a enseigné son évangile. Ses commandements, il a rappelé de 10 commandements. Il a donné aussi un commandement d'amour. Un commandement de pardon.
mpe mobeko ya kolimbisa. Il a dessiné comment procéder. Faut être baptisé de l'eau et de l'esprit. Mpoete moto akwa koyeba kozala mwana nzambe esengela zwali batisi ya mai mpe ya molimo mosantu. Il faut participer à la Sainte Cène. Kolia molei mosantu. Et puis maintenant il a mis tout en marche afin que nous puissions suivre cette voie. Simana yango de atie nyoso na nzela mpoete toko akoyeba kolanda nzela wana. Il est mort pour toi et moi. Akufi pona yo pe pona ngai. Il est ressuscité. Asekwi. Et à ce moment, il a mis en place l'apostolat. Na ngonga oyo nde atie mosala ya bantuma. En leur confiant une mission. Mpe apesi bango mosala. D'enseigner toutes ces choses qu'il a enseignées pendant sa vie. Koyekwisa oyo nyonso bango ba yekwisaki na oyo ye ayekwisaki na bomo ina ye. De baptiser de l'eau et de l'esprit. Kobatisa bango na mayi mpe na molimo. Leur a donné aussi l'autorité de pardonner les péchés en son nom. Apesi bango lisusu nguya ya kolimbisa masumu na kombo na ye. Avec une promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. Na elaka ete na kozala na bino kino na suka ya mokili. L'apostolicité de l'église de Christ. Mosala ya bantoma na kati ya ecclesia ya Christo. Est quelque chose qui fait partie de quatre composants de l'église de Christ. Ezali moko na makambo minei oyo ezali kosimba ecclesia ya Christo. Ça veut dire quoi l'apostolicité d'avoir cela? Kintoma elingi koloba nini? Ça veut dire plusieurs choses. Elingi koloba makambo ebele. En principal deux. Mingi mibale. C'est que nous professons, nous trouvons au sein de l'Église la profession et la proclamation de la vie, de la mort de Christ. Oyo tozali kotato la bomoi mpeliwa ya Christo. De sa résurrection, de son ascension. Bosse kuinaye mpe kobuta naye. Et le fait qu'il retourne. Mpe lolenge oyo ya kozonga. Ça c'est un composant de l'apostolicité. Wana ezali moko na kati ya kintoma. Et l'autre partie, c'est en son sein, dans l'Église, se trouver et se trouvent actuellement les apôtres actifs. Eteni ya mususu ezali na kati ya ecclesia na ye esika wapi bantoma ba oyo bazali ko sala bazali. C'était pas quelque chose qui était donné à l'époque et c'est fini. Non, ils sont actifs jusqu'au retour de Christ. Ezali te eloko oyo ba pesaka na kati na tangu ya kalape esilite bazali ko sala kino na tangu wapi Christo akozonga. Et l'apôtre de Christ a reçu aussi des commissions. Yango bantoma bazwaki mosala. À nouveau de l'autorité de pardonner en son nom les péchés. Bokasi ya kolimbisa na kombo na ye masumu. De célébrer la Sainte Cène. Kopesa molei mosantu. Et aussi de baptiser avec de l'eau et l'Esprit Saint. Mpe kobatisa na mayi pe na molimo mosantu. Et dans notre texte, Paul, il était conscient bien sûr de cette autorité ou cette grande mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Nakati ya maloba na biso Mpolo azali komona ya solo monene ya mosala oyo Nkolo apesaki ye. Mais il voulait insister que c'est le Seigneur, c'est lui le Seigneur. Alingaki kasi kobeta setete ezali kaka ye Nkolo. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son église. Mokonzi na biso Jésus-Christo ezali ecclesia na ye. Et dans notre quatrième article de foi, nous disons le Seigneur Jésus gouverne son église. Na article na biso ya mine ibazali koloba ete mokonzi na biso Jésus Christ yende azali kokamba ecclesia na ye. C'est lui qui décide tout, c'est lui qui est suprême. Yende azali kozwa mibeko likolo ya nyonso mpe ye azali likolo ya nyonso. Et l'apôtre n'est pas souverain. Ntoma azali likolo ya nyonso te. Il est serviteur. Azali mosali. Serviteur pour faire quoi? Mosali mpona kosala nini? C'est là l'apôtre Paul voulait insister, nous sommes là pour vous dominer. Yango ntoma Paul azali kobeta sete tozali wana te mpona kokonza bino. Mais pour contribuer à votre joie. Kasi ezali mpona kosunga bino na esengo na bino. Certes, ils ont la possibilité, l'autorité de baptiser. Atako bazali na bokasi to pe nguya ya kobatisa. Ce n'est pas l'apôtre qui détermine le salut. Kasi ezali ntoma tende azali kopesa lobiko. Ça c'est notre Père Céleste. Wana ezali tata na biso ya en fonction de nos propres efforts. Na kolandana na bokasi na biso moko. C'est pas l'apôtre qui est juge. Ezali ntoma te moto azali moto ya bosembo. Nous ne sommes que des serviteurs pour donner la joie à la communauté. Tozali kaka basali ya Nzambe pona kopesa esengo na kati ya masanga. Et comment ça se fait?
En transmettant l'évangile de Christ. Son enseignement. Mateya naye. L'idée et l'objectif derrière cela, c'est pour donner la joie à la communauté. Ntina na yango ezali mpona kopesa esengo na kati ya lisanga. Cela comporte plusieurs composants. Yango ezali na kati ya biteni ebele. Mais l'enseignement de Christ, c'était quoi qui apporte la joie? Mateya ya Kristo ezali nini oyezo pesa esengo? Numéro 1. Ya yambo. De ne pas faire de ces biens terrestres une priorité de notre vie. C'est là-bas. Kosala makbiloko ya mokili awa ekwa kozala eloko ya ntina te na kati ya bomoi na biso ezali makambo oyo ya likolo. Et les apôtres renforcent ce message, pas pour que nous gardons et restons pauvres. Ntoma azali ko bakisa ya koloba elingi koloba te te toko akotika la babola. Misérable, ne faites pas des efforts. Tosala bokasi te tozala bato ya ntina te. Ici-bas, non, nous disons aux étudiants, étudie. Nous disons l'un à l'autre et nous-mêmes, nous travaillons. Nous devrions gagner le pain quotidien. Nous préparons l'avenir. Mais la priorité numéro un, ce n'est pas l'apôtre qui a dit ça. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 6e chapitre 33. Cherchez en premier lieu le royaume du ciel. Boluka ya yambo bokonzi ya likolo. La justice de Dieu. Bosembo ya Nzambe. Toutes ces autres choses vont vous être données. Biloko nyoso etikali ekopesa melabino. Et l'apostolat pour que nous ayons la joie. Ne font que transmettre cela. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits. Et Paul il a dit en Philippiens 4. Paulo azali koyebisa na ba Philippiens na chapitre 4. Réjouissez-vous, il parlait à la communauté. Et à nouveau, et je répète, réjouissez-vous. Ils étaient dans la situation difficile. Selon l'homme, pas de raison pour avoir la joie. Cette joie n'était autre que Christ. L'enseignement des apôtres nous dit, respectez les commandements. Faites un effort de connaître et de le respecter. À nouveau, ce n'est pas pour que l'apôtre domine pour dire attention. Pour limiter les restrictions. Pour les autres disent à nouveau, l'apôtre insiste sur l'obéissance, c'est pour garder un peu les restrictions. C'est tout simplement pour transmettre l'enseignement de Christ, c'est lui qui a insisté. En Jean 14:23, il a dit, celui qui garde mes commandements. Na mukanda ya Jean na chapitre 14 azali koloba oya kobatela mibeko na ngai. Je serai avec eux, le Père va les aimer. Na kozala na bango pe tata na ngai akolinga bango. Et nous allons construire notre demeure en eux, ceux qui gardent les commandements. Tokotonga ndaku na biso na kati na bango baye oyo bazali kobatela mibeko. Alors chers frères et sœurs, cela donne une joie malgré le fait que peut-être on a certaines restrictions. Bandeko mibali pe basi yango ezali kopesa esengo atako makambo mususu epikisameli biso. En faisant le commandement, en respectant cela, nakotosa mibeko mpe nakosalela yango, nous pouvons vivre la présence et l'accompagnement de notre Père céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. Tokomona na kati ya bomoi na biso bokambami ya tata Nzambe na kati ya bomoi na biso. Et qui va se plaindre, ça va donner la joie. Nani lisusu akolela lela yango ekopesa esengo. Qu'il est avec nous dans les bons moments, dans les mauvais moments. Azali na biso ezala na tangu ya pasi ezala na tangu ya bisengo. Et cela nous donne la joie malgré les différentes circonstances à nouveau. Yango ezali kopesa biso esengo ezala na kati ya mikakatano pe na bisengo. En troisième lieu, pour rester dans la joie. Eloko ya misato kotika la na pona kotika la na kati ya esengo. Humiliez-vous.
esengeli komikitisa. Repentir. Esengeli kotubela. Encore les autres vont dire, ah voilà à nouveau l'apôtre qui veut nous dire, nous sommes des pécheurs. Ils veulent souligner combien on est méchant. Et cela va affirmer leur autorité. Absolument pas. Ezali bongo te. Si l'apôtre insiste sur l'humilité, le repentir. Tout simplement, c'est pour avoir la grâce du Seigneur. Ezali kaka mpona kozwa ngolu ya Nzambe. Parce que si nous ne sommes pas humbles, cette grâce ne peut pas venir. Et si nous ne pouvons pas nous repentir, nous ne pouvons pas être pardonnés. Tu peux avoir toutes les richesses. Te réjouir d'avoir passé une belle journée. Mais sur mon don aussi, je sais que je suis condamné à mort. Quelle joie je peux avoir même si j'ai bien mangé aujourd'hui. Ah, mais la mort m'attend. J'ai réussi mes examens. Mais je dois aller en prison. La joie qu'on peut avoir, c'est éphémère face à ce qui nous attend. Le repentir permet une liberté qui enlève maintenant cette peine. Et là, on peut dire, on est libre en Christ. Et c'est ça qui donne la joie. Et maintenant, si on bien mangé ou mal mangé, on dit, bah, je suis libre en Christ. Personne ne peut pas avoir quelque chose sur moi. Personne ne peut me condamner. Le Seigneur m'a pardonné. Motomoko azali na eloko akoki koloba na ngai te motomoko te akokatela ngai mobeko mpo ete mokonzi alimbisi ngai. Et c'est ça qui donne une joie, et cette joie est éternelle, c'est pas seulement pour quelques moments ici bas. Yango nde ezali kopesa esengo, esengo wana ezali ya seko na seko. De l'apostolat nous apprenons la prière. Onzela ya bantoma tozali koyekola kobondela. Oh ça y est, maintenant il veut nous apprendre comment prier. Ntoma lingi ayekusa biso lolenge ya kobondela. Ce qu'il faut dire. Pourquoi il faut prier? Comment il faut prier? Ah oui, mais c'est le Seigneur qui a d'abord enseigné ça. Ezali nkolo na biso nde ayekusaki yambo yango. Le Notre Père. Onzela ya tata na biso. Et puis ailleurs, il a dit. Mpe na bisika mosusu alobi yango. Avant vous priez, vous demandez des choses. Liboso ya kobonde la pe kosenga biloko ebele. Et je vous recommande maintenant de prier et demander en mon nom. Nazali koye kosenga na bino ete bosenga yango na kombo na ngai. Matthieu 5. Na mukanda ya Matthieu na chapitre 5. Et cela va procurer quelque chose, et ce que vous demandez, Dieu va donner. Yango ezali kopesa bino mpo ete oyo bino bokosenga Nzambe akopesa. Nous apprenons qu'il faut prier en son nom. De prier comme Christ, que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Et c'est ça qui donne la joie. Même si tous nos prières ne sont pas répondues. Si on est comme l'enfant qui demande des choses jamais satisfaites. Ezali lokola mwana azali kosenga biloko akosenga biloko nyonso mais tango mususu azo sepela kaka te. Dans nos prières nous avons demandé correctement. Na kati ya losambo na biso tozali kosenga. Nous avons demandé et nous avons prié comme Jésus. Tozali to bondelaki lokola mokonzi na biso Jésus Christ. Et nous prenons de sa main ce qu'il nous donne. Tozozwa na loboko na ye oyo azo pesa biso. L'apôtre nous dit il faut travailler. Ntoma azali koyebisa biso esengeli kosala. Il faut œuvrer. On peut dire qu'il y a une distinction, les serviteurs, le prêtre, le diacre, l'apôtre de Dieu, et puis les autres. Nous sommes tous des ouvriers. L'autre va dire, non, c'est pour qu'on travaille à l'église, c'est pour qu'on fasse quelque chose, parce que l'apôtre seul ne peut pas le faire. On n'est pas là pour dominer.
nous ne sommes pas souverains, c'est Christ qui est souverain. Tozali likolo ya batute kasi Christ onde azali mokonzi ya nyonso. Et c'est lui qui a donné la parabole de ceux qui ont travaillé. Yende moto apesaki lisese ya ba oyo basalaki et qui ont pu profiter de ces paroles que le maître a donné aux serviteurs. Mpe bazwaki liloba oyo nkolo ayebisaki na bato ya mosala. C'est bien, vous avez bien travaillé. Ya solo bosalaki mosala malamu. Entrez dans la joie du Seigneur. Bokota na kati ya esengo ya nkolo. Et si nous travaillons, chacun, les membres, les enfants, les grands et les petits. Soki biso tosali ezala bandimi ezala bana tope ba mikolo. Alors là, nous allons comprendre la grandeur de notre Père Céleste. Wanande tokomona bonene ya tata na biso ya likolo. Si nous apprenons à notre enfant de mettre une semence. Soki toyekusi na mwana na biso lolenge ya kolona. Et ce n'est pas beaucoup de travail de mettre la semence, de mettre un peu de l'eau, de cercler un tout petit peu. Musala ezali makasi te, ezali ya kolona, ya kotia mayi kobongisa nzinga nzinga nango. Avec un peu de temps et la grâce. Dieu fait des grandes choses. Voilà une plante, voilà un fruit. Nangonga mpe nangolu nzambe azosala makambo minene okomona bambuma oyo ekobima. Mais si tu n'as pas mis la semence, tu ne peux pas voir comment Dieu œuvre quelque chose. Soki oloni te okomona te lolenge nini tata nzambe azali kosala na kati ya biloko. Et tu ne peux pas non plus avoir la joie. Okozala pe na esengo te. C'est pour cela que nous efforce de travailler, de œuvrer, de faire quelque chose pour l'un et pour l'autre. Yango bazali kotindika biso ete toko akoyeba kosala musala to sala mpona moko pe pona moninga mosusu. Et avec notre faiblesse humaine, regarde ce que Dieu peut faire comme miracle. Na babo lembu na biso lokola bato na kati ya mokili tata nzambe akoki kosala bikamwa. Et dans notre communauté, nous sommes émerveillés. Une petite prière, une petite visite. Nakati ya communauté na biso tozali kosepela losambo moke bato bazali kokoma. Un petit souci que j'avais pour notre frère, regarde ce que notre Père Céleste a fait pour cela. Et c'est pas si on a quoi kozala nango pona ndeko moko boye okomona eloko nini tata nzambe asali mpona ye. Nous sommes des serviteurs pas pour dominer mais pour servir à notre joie, à votre joie. Tozali basali mpona kokonza te kasi ezali mpona kosalisa bato bazala na kati ya esengo. D'apprendre la conduite dans la souffrance. Esenge koyekwisa bato kotambola na kati ya mikakatano. De garder la foi. Ezala kotikala ya kotelema. Encore les autres vont des voyages, ça y est, ils ne peuvent rien faire. Soki eza mpona bango te bakosala eloko te. Dans la peine, souffrance, ils n'ont pas de solution. Na kati ya pasi bazali na biyano te. Alors ils disent patience, gardez, prenez ça. Yango bazali koloba kanga motema zwa oyo. Non, nous comprenons, ça vient de notre Père Céleste. Il peut ôter une souffrance dans quelques secondes. Biso tozali ko comprendre, tozali ko ndima ete ezali ko ute pa ya tata nzambe. Akoki kolongola bapasi ata na ngonga ya moke. La tâche de l'apostolat, ce n'est pas d'enlever et de trouver réponse à chacun de nos soucis. Musala ya bantoma ezali kolongola te mpe kopesa biyano na mayi nyonso oyo ezali kotungisa biso te. Dieu n'a pas fait ça pour son propre fils. Tata nzambe asalaki yango te mpona mwana na ye moko. Mais de garder et maintenir la foi pendant ces souffrances. Kasi asimbaki ye mpe atikalaki na kati ya kondima na ntango ya bapasi. Christ a dit, vous partagez avec mes souffrances. Christ alobi bokokabola na ngai bapasi. Vous partagez aussi avec ma joie. Bokokabola lisusu na ngai esengo. Pierre, il dit, Petelo alobi, ne soyez pas étonnés que nous avons des problèmes, des difficultés, des soucis. Boka mwate te tozali na mikakatano pe mitungisi. En 1 Pierre 4. Na mukanda ya yambo ya Pierre na chapitre ya minei. Le verset 12 et 13, qu'on ne soit pas surpris sur ça. Na verset ya zomi na mi bale pe ya zomi na misato alobi boka mwate. Gardez tout simplement le foi. Bate la kondima. Ne chancelons pas, que ces circonstances ne viennent pas trop sur nous peser afin que nous perdons notre vie éternelle. To tepatepate mpo ete mipepe wana ekoki koya mpo ete koyeba kobungisa bomoi na biso ya seko. Parce qu'une joie éternelle nous est réservée. Mpo ete esengo ya seko ebombaneli biso. Ah, c'est pour cela, chers frères et sœurs, dans l'apostolat, ce n'est pas non plus quelqu'un, une place remplie de grandes personnage. Nantina na yango nde bandeko mibali pe basi bantoma ezali esika te oyo batie batu ya minene. Non. Te. Ce sont des hommes remplis de fautes. Bazali bato oyo bazali na mabunga. Même Paul a dit, je fais des choses que je ne veux pas faire. Ata Paulo alobaki nazosala makambo oyo tango mosusu nakoki kosala te. Je ne fais pas des choses que je devrais faire. Nazosala te makambo oyo esengelaki nasala. Sans pas là pour dominer.
Nyosoana ezalika kampona kokonza te. Mais pour trouver la joie. Kasi pona kopesa esengo. Comment? Lolenge nini? Première chose, priorité. Eloko ya yambo. Le ciel. Na likolo. C'est ça qui est important. Yangonde ezali nantina. Nous respectons les commandements. Toto sa mibeko. Nous restons humbles. Toza la bato ya komikitisa. Nous savons comment prier. Toyeba lolenge ya kobondela. Nous voulons travailler, nous voulons œuvrer. Esengeli to kwa koyeba kosala kokota na kati ya bilanga. Nous ne voulons pas perdre notre confiance dans la souffrance. Toko akoyeba kobungisa elikia na biso te na kati ya bapasi. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin avec l'apôtre Tumba. Tozali na esengo na tongo ya lelo ya kozala elongo na Toma Ntuma. Qui va servir et le chorale peut préparer pour lui le chemin. Ako sali sapebiso bayembi babongisa nzela. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités. Balingami kati yankolo mpe babiangami. À entendre ce que l'Esprit vient de nous donner à travers notre apôtre de district. Nakoyoka oyo molimo e uti kopesa biso onzela yantoma na biso ya district. Nous avons tout intérêt de nous humilier et de placer notre confiance absolu et total en notre Père céleste. Tozali nantina ya komikitisa mpe kotiela motema na tata na biso ya likolo. Quelles que soient les circonstances de la vie que nous sommes en train de traverser et de connaître. Ezala biteni ya bomoyo oyo biso tozali na yango oyo tozali kokutana na yango. Comme qui dirait dans le bon comme dans le mal. Nous restons accrochés à notre Père céleste. Tout en espérant qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous venons de recevoir la nourriture. C'est comme dans une famille. Ezali lokola na libota. Papa et maman, les parents, ce sont eux qui se tracassent pour que la famille soit nourrie et soit bien soutenue. Papa na mama bangonde mutuba mitungisa kampo ete libota eko akoyeba kozwa bilei mpe eko akoyeba kozala malamu. Ils peuvent tenir compte des caprices des enfants. Bakokita ko mususu kotala ba lolenge ya bana. Mais en dernier ressort, ce sont eux qui décident. Kasi na suka suka bonde bazali na liloba ya suka. Il en est de même avec notre Père céleste. Ezali lolenge moko na tata na biso ya likolo. Qui se manifeste à travers ses serviteurs. Oyazali komimonisa kuzela ya basali na ye. Pour nous donner la nourriture au moment opportun. Pona kopesa biso bilei na ngonga oyo esengeli. Ne vont pas s'arrêter seulement là-bas. Azo suka kaka wana te. Va plus loin jusqu'à prendre soin de nous. Azo kete musika mpoete akwa koyeba kobate la biso. C'est ce qui justifie la présence de l'autel des grâces aujourd'hui. Yangonde zalintina ya mesa ya bonzenga na mokolo ya lelo. Nous venons aussi d'apprendre que Christ, le Maître, le Seigneur, il est le chef de l'Église. Touti lisusu koyeko la ete Christo mokonzi mokambi mpeye azali nkolo ya Ecclesia. Et nous comprenons facilement que lorsqu'on parle de l'Église, c'est un atelier dans lequel tout le monde est appelé à être dedans afin d'être parfait. Tozali to moniete ecclesia ezali na kati ya bisika wapi batunyoso babiangami mpo ete bakwa koyeba kobonga pe kokoka. Toutes les batteries sont mises en marche. Biloko nyoso etiami na kati ya musala pour que l'église serve de chemin à suivre.
Mpoete ecclesia ezala nzela oyo moto nyonso esengeli alanda. Et dedans nous y rencontrons la vérité. Nakati na yango nde tozali kokuta bosolo. Et cette vérité là va nous libérer pour que nous ayons une nouvelle vie. Bosolo wana nde yango ekosala ete tokoka koyeba kozala na bomoi ya sika. Et celui qui est grand dans tout ça, c'est le Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui a dit qu'il va fonder l'église, et dans cette église, il y mettra tout ce qu'il faudra pour que les choses puissent avancer. Oyo azali monene ezali mokonzi na biso mpote mokonzi alobaki ye akosala eklezia na ye pe akotia biloko nyonso oyo esengeli mpote eklezia oyo ekende liboso. Raison pour laquelle il a quitté les cieux pour venir sur terre. Yango autaki na lola pe akiti na se pour nous accorder le salut et pour faire croître la nature de Christ en nous, afin de rendre possible le fonctionnement de l'Église. Et les choses ne vont pas tomber du ciel pour que la manifestation divine puisse avoir lieu. Biloko ekouta likolo pe ekoya na sete mpoete mosala ya nzambe ekwa koyeba komimonisa. Et il faudrait qu'il y ait des hommes. Esengeli bato bazala. C'est ce qui justifie la présence des apôtres et des serviteurs au sein de l'œuvre. Ndentina ya bantoma pe basali na kati ya mosala ya nzambe. Le Saint-Esprit se manifeste convenablement à travers les apôtres et les serviteurs. Molimo mosantu ezali komila kisa na kati ya basali mpe na bantoma. Point n'a besoin de se faire des éloges. Mutu azali lantina ya komiku misate. Par contre, il faut s'humilier quand on voit tout ce que le Seigneur fait. Kasi esengeli komiki tisatangu tozali komona mayimanso nkolo azali kosala. Et nous en tant que serviteurs, biso lokola basali, nous sommes obligés de nous comporter de manière digne. Esengeli tokoka koyeba ko tambola na lolenge oyo ekoki. Comme il est dit en Philippiens 4 verset 8. Lokola ekomami na kati ya mukanda ya Philippiens na chapitre 4 verset 8. En faisant ce qui est noble. Ya kosalaka oyo ezali na motuya. Ce qui est juste. Oyo ezali ya kokoka. Ce qui est honorable. Oyo ezali kopesa lokumu. Pour que nous ne puissions pas préjudicier les membres que nous sommes en train de diriger. On peut être tout quoi accueillir, bah copier sa passité, na bandibé, oh yobiso tozali kokamba. Et à cet effet, nous nous sentons interpellés. Natina na yangonde biso to bazali pe ko bianga biso. Nous serviteurs et enfants de Dieu. Biso bazali pe bana ya nzambe. Jamais dominer sur les enfants de Dieu. Kokonza likolo ya bana ya nzambe te. Mais les actes aideront à ce que nous puissions contribuer à leur joie. Kasi misala ezali kotindi kampo ete tout quoi accueillir, bah kozala. La joie, mes bien-aimés, c'est comme du carburant dans les véhicules. Faisons en sorte que nous puissions créer la joie tant que le Seigneur se manifestera en nous. Pour que l'Église ait une vision de pouvoir rendre tout le monde à l'aise. Mpoete ecclesia eko akoyeba kozala na liso ya kotia moto nyonso na esika ya kimia. Molo molo nous avancerons jusqu'à atteindre notre but. Malembe malembe tokokende mpoete tokoma na ntina ya bondimi na biso. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous prenons bien volontiers ce carburant de joie qui est donné par notre Père Céleste. Balingami tozali kozwa carburant oyo ya esengo oyo tata na biso ya likolo apesi. Car nous en avons besoin, sans cela, ça devient... Toute chose devient une corvée. Tozali na posa na yango, poso ki yango te biloko nyoso ekozala pasi. Et des choses normalement qui devraient procurer la joie ne donnent pas la joie. Biloko oyo esengela ki kopesa esengo ezopesa esengo te. Nous nous approchons au pardon de péché. Tozali ko pusa na bolimbisi ya masumu. Et il y a des moments où le pardon de péché ne peut pas donner la joie. Ezali na bangonga oyo bolimbisi ya masumu epesaka esengo. Comment c'est possible? Le pardon ne donne pas la joie. Parfois, lorsqu'il s'agit du pardon qui est offert à une autre personne, et puis on regarde. Et ça peut, par la jalousie ou autre pensée, dire, mais pourquoi lui l'a reçu? Et la joie qu'on avait de notre propre pardon est enlevée parce que ça a été donné à lui.
et sengo oyo ezalaki na kati na biso elongo mpo ete akanisaki bolimbisi wana bakopesa na ye. Le Seigneur nous a montré l'exemple avec le fils prodigue et son frère. Kolo apesaki biso ndakisa ya mwana oyo abungaki na ndeko na ye. Il était perdu et oublié, mais pardonné par le papa. Abungaki akendaki kasi tata na ye alimbisaki ye. Il était accueilli. Ayambamaki. Et le frère était là, oh mécontent. Ndeko na ye oyo atikalaki azalaki na esengote. Chers frères et sœurs, si nous avons une partie, une semence dans le sauvetage de notre frère et de notre sœur. Ndeko nanga ya mobali pe ya mwasi. Soki tozali na molona oyo totie na kati ya ndeko ya mwasi to pe ya mobali. Si nous faisons un effort pour prier, pour aider, pour visiter, pour encourager à revenir d'être pardonné. Soki tozali kosala makasi mpo ete bandeko bako akoyeba kozonga ya bako akoyeba kolimbisa. Quand il est pardonné, cela procure la joie. Sinon, ça peut procurer la jalousie et puis le mécontentement. Tango bazali kolimbisa ezali kopesa esengo. Soki bongo te tango mususu ekoki kopesa zua mpe kopesa pasi na kati ya motema. Et après de longs moments, quand on ne voit pas quelqu'un et puis il revient dans la maison de Dieu, on est plein de joie. Et puis ça, ezali na ngonga oyo tango bozomona mutu te na kati ya ndako ya Nzambe. Kasi tango bomoni azongi na kati ya ndako ya Nzambe, epesaka esengo mingi. Comme le Seigneur a dit, c'est comme un brebis qui retourne au troupeau, ça procure beaucoup de joie. Nkolo azali koloba, ezali lokola mwana ya meme oyo abungaki azongi na kati ya lisanga. Maintenant, il nous a demandé de rester humble et aussi de repentir. Yango azali kosenga biso ete toko akoyeba komikitisa mpe kosenga bolimbisi. Une précondition pour avoir la joie du pardon. Yango nde ezali eloko ya ntina mpo ete toko akoyeba kozwa esengo mpe bolimbisi. Une joie de la grâce. Esengo na kati ya ngolu. Que ce soit pour vous et pour moi. Ezala mpona yo mpo mpona ngai. La chorale nous prépare une cantique de repentance. Bayembi bapesa biso nzembo ya bolimbisi. Vois mon âme nostalgique. Vois mon âme nostalgique. Je vous invite à être debout et ensemble nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance, et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen.
Amen. Cher Père Céleste, nous écoutons cette proclamation de pardon et de paix avec joie. Tata walikolo tozali kondima bolimbisi ya masumu oyo na kati ya esengo. Que malgré toutes les accusations, tu nous as pardonné. Ezala makambu nyoso oyo bafundaki biso kasi yo olimbisi biso. Et à nouveau à travers le sacrifice de ton fils, nous avons une liberté en notre Seigneur Jésus-Christ. Mingi onzela ya komika ba ya mwana na yo Jésus-Christ yangonde ezali ko pesa biso bonsomi. Cela nous remplit aussi de cette paix éternelle. Yangonde ezali ko tondisa na kati na biso kimia oyo ya seko. Et nous pouvons t'exprimer assez nos remerciements. Tozali ko pesa yo matondo na biso ya ebele. Cela s'accompagne avec une prière, cher Père Céleste. Garde-nous unis avec notre apôtre patriarche. Owana ekwakoyeba kosangana na losambo na bomoko na ntoma na biso mokonzi. Que ce soit la jeunesse, les enfants, les co-travailleurs. Ezala bilenge, ezala bana, ezala baye oyo tozali kosala na bango mosala. Nos vieux, ceux qui sont éloignés. Ba mibange, ba oyo bazali mosika. Que ton église puisse rester une. Ecclesia na yo ekwakoyeba kotika la bomoko. Et que nous puissions avoir joie dans cette unité. Toko akoyeba kotonda na kati ya esengo na bomoko oyo. Nous puissions développer. Toko akoyeba kokola. Nous voulons prier spécialement pour ceux qui prennent soin de nous, de nos corps terrestres. Tozali kobonde la kaka mpona ba oyo, tolingi pe kobonde la pona ba oyo tozali na bango na kati ya mokili. Il se met sur le front, aide, accorde à eux protection. Pesa bango pe lisusu li bateli na yo. Protège tes enfants pendant ces moments. Batela bana na yo na ngonga oyo. Nous voulons prier aussi pour le pays et son gouvernement. Losambo na biso pona mboka mpe pona bakambi. Les dirigeants, que tu puisses leur accorder toute l'aide qu'il faut. Bakonzi opesa bango maye oyo esengeli. Que ton esprit puisse aussi inspirer à prendre de bonnes décisions. Molimo na yo ekwa koyeba kosalisa bango po bazwa mikano ya malamu. Tout cela nous te demandons au nom de ton fils Jésus-Christ. Nyoso wana tozali kosenga yo onkombo ya mwana na yo Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin en prière. Tolingi kosukisa le sambo. Cher Père Céleste, merci encore une fois. Tata walikolo totondi yo lisusu. Que tu nous permets d'être ensemble pour ces quelques moments par ces voies. Mpo ete yo sepela ki ete toko akozala elongo onzela oyo. Pour la parole, pour la grâce. Onzela ya liloba oyo epesameli biso. Cher Père Céleste, que nous puissions aussi vivre comme toujours ta lumière. Tata tozingi ete na kati ya bomoi na biso tomona bongengi na yo lolenge ezalaka. Bénis tes enfants, leur offrande. Pambola bana na yo, pambola makabo. Que ce soit sous forme des différentes formes qui peuvent faire une offrande. Ezala na lolenge nyonso oyo bango bakoki kopesa makabo. C'est un signe de reconnaissance et amour envers toi et ton œuvre. Ezali elembo ya bolingo mpe ya kotiela yo motema. Ta bénédiction puisse rester là-dessus. Lipamboli na yo ezala likolo na yango. Que cher Père Céleste, tu peux aider à nouveau ceux qui sont dans la peine et dans la souffrance. Tata walikolo osalisa lisusu ba oyo bazali na kati ya bapasi. Et cher Père Céleste, nous te demandons de tout cœur, envoie ton fils. Tata walikolo tozali kosenga yo na motema mobimba tinda mwana na yo. Nous sommes entièrement dépendants de ta grâce. Biso tozali na bomoi na biso tozali kaka na tina ya ngolu na yo. Exauce le souhait qui provient de notre cœur. Mpe bamposa oyo ezali kouta epai na yo. C'est ça que nous te demandons au nom de ton fils Jésus-Christ. Nyoso tosengi na yo na nkombo ya mwana na yo Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga ya Jésus-Christ, bolingo ya Nzambe Tata, pe bokangami ya Molimo Mosantu, ezala na bino banso. Amen. Merci, nos bien-aimés, pour tout votre amour et votre persévérance, votre constance.
tozali ko pesa bino melesi bandeko mpona bolingo na bino mpe pona ko umela na bino. Si le compte est bon, ça fait 25 services divins de transmission de différentes formes. Soki natali malamu ekomi ba service divin 25 oyo eleki na banzela ndenge na ndenge. Nous voulons prendre l'occasion pour dire merci à l'équipe technique, à tous ceux qui contribuent à ce que ce soit possible. Tozali kozwa ngonga oyo poto kwa koyeba ko pesa melesi na équipe technique mpe na bayinyonso oyo bazali komi pesa mpo ete yango ekokisama. Nos différents chorales qui se mettent, ceux qui décorent le fleur, ceux qui se mettent pour nettoyer. Bandeko nyonso oyo bazomi tia na kati ya musala ezala mpona kotia fololo ezala mpona kosukola bisika oyo. Même les stations et nos frères et sœurs qui nous aident pour ça. Ba oyo nyonso bandeko oyo bazali kosalisa biso mpona yango. Et chers frères et sœurs pour vous. Bandeko mibali pe basi ezali mpona bino. Nous disons merci aussi d'avoir suivi fidèlement. Tozali kopesa bino lisusu melesi mpo ete bolandi na bokebi. Que Dieu vous bénisse richement. Tata Nzambe apambola bino koleka. Et nous garde ensemble jusqu'à ce qu'on peut se revoir tous dans la maison. Abate la biso nyonso tina ngonga wapi tukukuta na biso nyonso na kati ya ndako. La chorale a un cantique final. Bayembi loyembo ya suka.